Oui, alors, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Pierre. Bonsoir Michel, bonsoir Jacques. Comment ça va Pierre? Fort bien, merci, et vous? Ça va. Mal. Où êtes-vous aujourd'hui alors? Ah ben aujourd'hui alors je suis drôlement bien posté, je vous assure. Je suis à l'extrémité d'une jetée qui est elle-même à l'extrémité de la baie de Cannes. Par exemple, derrière moi, il y a une toute petite île qu'on appelle l'île Sainte-Marguerite. Et puis vous voyez peut-être des bâtiments. Ben, c'est dans ces bâtiments qu'ont été emprisonnés, paraît-il, Bazaine et l'homme au masque de fer. C'est une note triste au début de ce téléphone. Nous allons passer rapidement à quelque chose d'un peu plus gai. Alors donc, il y a cette île. Il y a, on dit, un petit passage d'environ 200 pieds, 300 pieds peut-être. Et puis alors, on arrive ensuite au casino Palm Beach. Et le casino Palm Beach qui est là est un des deux casinos de Cannes. C'est devant ce casino, il y a une piscine par exemple. Vous voyez peut-être des gens là, qui sont sur la plongeoire. C'est devant ce casino et tout autour de cette piscine qu'ont été tournées entre autres les dernières séquences d'un film très populaire qui a été présenté à Montréal et qui l'est peut-être encore maintenant, Mélodie en sous-sol. En effet, oui. Alors on continue donc, on quitte le casino Palm Beach et on s'avance lentement sur la croisette. Il y a là des buildings très modernes, ultra modernes. Ils sont construits d'ailleurs de plus en plus. Et la croisette est cette grande avenue qui longe la mer et qui nous amène lentement, tout doucement, mais alors en beauté parce qu'il y a des palmiers, des maisons blanches et tous des appartements super luxueux. Donc ça nous amène tout doucement au Carlton qu'on voit là-bas, là tout au fond, et puis au Martinez, enfin les grands hôtels. Et tout à côté du Carlton et du Martinez, eh bien, il y a le Palais des Festivals. Non, en dépit de Claudine Auger, ce qui compte surtout pour les festivaliers, c'est de profiter au maximum de ça, de la mer, du soleil qui est très chaud à ce moment-ci de l'année. Oui, parce que en fait, les projections, il y en a pendant une heure et demie, deux heures par jour, et les plusieurs milliers de festivaliers qui, depuis 20 ans, se réunissent à Cannes pendant ces trois semaines de festival, veulent surtout profiter donc du soleil pour pouvoir rentrer dans leur pays d'origine et dire « Alors, ce premier bronzage de l'année, c'est moi qui l'ai ». Ils veulent profiter du soleil sur les plages, sur ces plages où l'on trouve de tout, et en particulier d'une excellente cuisine.